Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un nouveau let's play, et cette fois-ci nous allons nous attaquer à un monument. Final Fantasy VII. Je sais pas, je peux utiliser Ah, je pourrais à première vue utiliser peut-être la manette, hein. Peut-être, à vérifier. Sélectionner quitter dans le menu principal ou retourner sur Windows, ouais, ok. C'est pas ce que je souhaite. Fichier de sauvegarde. Carte synchronisée, ouais, ok. Là, ils me disent X pour OK, ok. Nouvelle partie. Faudra qu'on change un peu les touches. Je vois même pas pourquoi tu me dis continuer, sachant que je n'ai jamais joué au jeu. Merci. Nouvelle partie. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. J'avoue ne jamais avoir joué à Final Fantasy VII de ma vie. J'ai joué à d'autres jeux de Final Fantasy de la licence, hein. Age of Sorcerers, PlayStation 2, Crisis Core sur PSP, un jour sur PC quand j'aurai mon nouveau PC. Mais j'ai vu le film aussi, bien entendu, Advent Children. Mais jouer au FF7 de base, je ne l'avais jamais fait. Par ici le nouveau, suis-moi. Est-ce que je peux utiliser... Ah, à première vue je peux utiliser la manette. On va essayer. On va me dire le jeu normalement est prévu pour jouer à la manette. Hein. Ah, sans servir. Ex-soldat, élément, magie. Potion, éther, jet de phoenix, ok. Magie, pour l'instant t'as rien. Équipé, état, limite, je sais pas ce que c'est encore. Bravo, ok ça va. Alors, est-ce qu'on peut faire de la configuration, s'il vous plaît? Et là, vous m'éclatez les oreilles. Ça a l'air d'être mieux, peut-être pas. Ou pas. J'ai des doutes, hein. Bon, je règle ça et on se revoit dans un instant. Voilà. Quelque chose de plus agréable à l'oreille pour moi, en tout cas. À moins que j'étais à fond au niveau du bazar. Non, ça va. En général, je mets mon son à moitié sur mon casque. Donc ça devrait être bon pour vous. Ah, j'allais dire, je peux pas courir. Si, c'est juste une autre touche. Premier combat. Ah,
Comment un coup d'épée peut faire 40, mais des balles que tu reçois en direct en 38. Bon, ça c'est la logique des jeux vidéo, ouais, d'accord. Premier combat, succès Steam. Tout prendre. Ah oui, ok, là c'est, il faut choisir ce qu'on peut prendre. Ok, ça va, cool. D'ailleurs, en parlant d'objets à prendre, est-ce que... Ah. Perfect. Des premiers objets cachés. Ah. On se comprend. Regardez s'il n'y avait pas d'autres objets là. Ah, je peux pas lui parler. Ah, lui. Wouah. Tu fais partie du soldat, c'est ça? Je vois pas tous les jours de cette espèce là dans un groupe comme Avalanche. Le soldat? Mais ce n'est pas notre ennemi. Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Écoute, Jess, il faisait partie du soldat. Il l'a quitté et fait partie des nôtres maintenant. Je n'ai pas saisi son nom. On laisse le nom par défaut. Ah, on est d'accord ici. Ce serait. Comment dire? Une honte. Cloud. Cloud, hein? Je. Peu importe vos noms. Lorsque ce travail sera terminé, je m'en irai d'ici. Que diable faites-vous? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Possible le réacteur McConnor. Nous retrouvons sur le pont situé en face. Ex-soldat, je te fais pas confiance. Barrett. Appuie sur... C'est sûr... Oui, mais non. Pas avec les personnages, les loulous. Bon. Ah, il y a toujours les combats aléatoires. Ok, ça va. Bon à savoir. Ah, il résiste un peu plus, lui. Ok. Ah, parfait. J'ai de modifier un peu les settings OBS. Normalement, les overlays de Sim, quand il y a le succès devrait maintenant apparaître. J'espère que ce sera le cas. On verra bien le prochain. J'avais jamais pensé à vous le faire apparaître. À chaque fois que je vous le disais, c'était bon. Mais c'est vrai que de côté, c'est mieux si vous le voyez. Me semble-t-il, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. On est au premier épisode, je vous laisse globalement tous les combats, etc. C'est lors du prochain épisode que je commencerai à faire des cuts en termes de... Bah, pour tout ce qui est combat aléatoire, parce que vous les aurez largement vus à cet épisode 6, qui n'est pas très très utile non plus. Hein. Oui, prends tout. Les potions, on aime. Ouvrir la sortie. On se retrouve sur la mission, Cloud. Ils veulent vraiment faire exploser cette immense chaudière. C'est un sacré spectacle. Qu'est-ce qui va merder? On est au début du jeu, quelque chose doit nécessairement merder. Hey, c'est la première fois que tu te retrouves dans un réacteur? Non? Après tout, j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La planète est chargée d'énergie, Mako.
Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Et toi ? Le sang vital de cette planète. Mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec cette étrange machine. Je ne suis pas ici pour recevoir des cours. Allez hop, dépêchons-nous. Très bien. À partir de maintenant, tu me lâches pas d'une semelle. Parfait. Vix et moi avons le code de cette porte. Code déchiffré. Let's go. N'oublie pas que notre peuple a risqué sa vie juste pour ces codes. Appuie sur ce bouton là-bas. Je pense que les codes ont sûrement été donnés, entre guillemets, difficilement à qui, mais donnés de la Shinra, pas donnés par les autres, à voir si j'ai raison. Allumé. Un piège pour attirer la résistance. Petit à petit, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. Qu'est-ce qui va se passer? Pas mon problème. Planète meurt, Cloud. La seule chose qui m'intéresse, c'est de définir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens. Est-ce qu'il y a quelque chose par là, mais... Je sais pas comment, si on voit des coffres ou quoi, ou s'il y a certains ennemis en vue. Bah, élément. Ah, ok. Les éléments, c'est les éléments, faut que je m'en rappelle ça. Vous pouvez monter parce que j'ai juste pas cliqué sur le bouton. C'est possible aussi. Les designs me rappellent grosso merdo Legend of Dragoon sur PlayStation 1. On va dire c'est normal, Final Fantasy VII est sorti aussi sur PlayStation 1. Hein. Ça sera peut-être un jour sur la chaîne Legend of Dragoon. J'ai jamais réussi à finir le jeu, pas parce qu'il était trop dur ou quoi. J'ai prêté le jeu à quelqu'un. Et ensuite, je l'ai récupéré avec les disques rayés. C'était joie et bonheur. Pas touché la. Enfin, j'avais juste pas à cliquer sur le bouton. Attention. Exact. Ok, en face d'une échelle pour emprunter le teaser. Ouais. Ok. Jusque-là, ça paraît normal. Si on peut appeler ça normal, on est d'accord. Quand tu regardes ça, je suis juste en dessous. En plus, ils nous ont mis... une petite embuscade. Thank you.
Random qui attaque moins fort que Cloud. Comme ça qu'il faut faire. Attention, prends. Voilà l'enregistrement. Bah oui. Bah. Gentil, mais j'avais choisi celui-là. Pourquoi me faire un tudun ? Je devais passer. Je sais pas s'il faut passer par là, mais est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Oui. Ah bah c'est par là qu'il fallait aller. Voilà. Là ou peut-être pas. Peut-être que c'était cinématique qui se lançait. Matéria restauré. Ah encore les matériels. Là, si c'est vraiment ici. Lorsqu'une fois explosé cet endroit, il ne restera qu'un tas de cendres. Cloud va poser la bombe. Devrais-tu pas le faire? Fais-le, ah bah si, je vais te surveiller. Très bien, vas-y, oh là là. Attention! Ce n'est pas qu'un sable réacteur! Est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Cloud? Dépêche-toi! Oui, désolé. Vas-y, ils arrivent! Qu'est-ce que c'est? Machine Scorpion, je m'en doute, mais... Je peux pas avoir le nom qui dit, s'il vous plaît? Trop demandé. On a vu, c'est trop demandé. Alors on va pouvoir vérifier, on va faire la limite. Bravo. On va voir si ça capture le succès, parce que normalement il y en a un pour la première bravo. Ça capture le succès. Parfait. Ah, c'est pas 200, hein. C'est pas beaucoup de choses, hein. 150, 100. Cloud, Barrette, attention! Attaque pas si sa queue est en l'air! Ah, ok. Il va contrecarrer avec son laser. Tout net! Oh, ça va. C'est vrai que si je suis à chaque fois. Ah ouais. Grand coup. Normalement lui aussi devrait avoir le tien. Voilà, exactement. Cloud, je vais pouvoir bientôt refaire le... sa limite.
Parfait. J'en aurais pas eu besoin. Fusil d'attaque. On prend tout, hein. Vite, les carpissons. 10 minutes avant explosion. Donc si je veux pouvoir équiper par exemple ici, est-ce que je peux poser automatique? Ah oui, ça augmente quand même bien son attaque. Ok. Ah! Ça a déjà, même quand je suis dans les menus, ça compte. Ah! Non, j'aime pas ça! En fait, là, il sauvegarde. Enfin, là, non, en vrai, ça va. D'abord, il vérifie la sauvegarde, et après, je peux sauvegarder. Mais. Ah, je pensais que je pouvais à l'intérieur. Au moins, on a sauvegardé. De toute façon, ce soir, voilà. La limite n'augmente que quand on prend des coups. Ouais, deux potions. J'aurais juste vérifié. Est-ce que vraiment je peux pas aller là? Non, je peux pas aller là. Okay. Je ne peux en effet vraiment pas aller par là. C'est la jambe. Merci. Je sais pas si j'aurais pu la bypasser. En tout cas, moi, entre guillemets, il n'a pas voulu prendre la touche quand j'ai voulu passer. Mais potentiellement, je l'ai laissé là. Je me dis potentiellement. Ah bah voilà, quand tu veux. Tantôt il y avait une discussion. Déchiffré. Je sais pas s'il y avait d'autres objets à récupérer. Hein. En tout cas, la matériel c'était dans le truc de base qu'on devait pouvoir faire. Compliqué de la louper. Hein. Bien, sois prudent. Allez, hop. Est-ce que ça va produire une réaction en chaîne ou pas?
première vue, non. Ah bah, elle devrait s'ouvrir un peu plus longtemps maintenant. Ouais, peut-être. Peut-être pas. Ok, ok les Bluetooth. Bon, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8. Séparez-vous et montez dans le train. Hé hey. Ton argent, tu le ralentis que nous serons arrivés au QG. Ça me va. Pas sympa, soirée Iris. Oui, même si j'ai jamais joué au jeu, il y a des personnages qui sont beaucoup trop problématiques dans Final Fantasy pour pas les connaître. Marcheur de fleurs, excusez-moi. C'est passé. Vaut mieux que tu partes. Bien, écoute. Vaut mieux que tu partes. Vraiment? Je ne sais pas ce qui se passe, mais d'accord. Par là. Par là, peut-être. On a... Oula. C'est quoi ça? C'est là-bas sur le mur, allons voir. Ne vous laissez pas avoir par la Shinra. L'énergie Mako ne dure pas éternellement. La planète puise son existence dans le Mako. La fin est proche. Protecteur de la planète, Avalanche! Ok. Donc, les objets sont directement au sol. Ok, pas nécessairement des coffres, on verra bien. On sent qu'est-ce qui se passe. Hé hey, toi là-bas! Il se lâchera. Pas envie. Halte! Bon, les attaquer, là. Je voulais vous sauvegarder, les loulous, mais bon. Vous ne me laissez pas le choix. Oula. Normal que. Ah. Faut plus mal avec leur matraque qu'avec leur tir de mitraillette. Hein. Mitrailleuse. Oh! D'où ça, ça fait plus mal qu'un truc qui est en train de te traverser la peau. Je dis pas, une matraque ça doit faire mal. Hein. En général, c'est bien en métal. Je veux bien, ça doit faire super mal. Mais une balle de pistolet qui est en train de te. Des balles, parce que c'est mitrailleuse, donc des balles qui sont dans ton corps. Qui peuvent peut-être potentiellement te traverser de part en part. Salut! Sandwich. Ouh, dans le dos. Et hop, encore dans le dos. Attends, toi tu dégages. Les combats sont un peu lents pour l'instant. On verra bien à plus haut niveau, bien entendu, mais. Parce que j'ai que perso. Voilà, par contre, je vais me faire encercler. Tu peux pas continuer à. J'ai pas le temps à perdre avec de simples soldats. Ah, c'est parlé. Prenez-le! Ok. Faut avoir confiance sur l'intérieur du tunnel, hein, parce que. T'as un truc qui te dépasse un peu. Boum! Cloud n'est pas là. Cloud, je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Cloud. Dites-moi, je pense que Cloud va se battre jusqu'à la fin pour Avalanche. Comment le saurais-je?
Je ne suis pas voyant. N'était pas tout si. Hé, Barrette, et notre argent? Rien, pardon. Cloud! 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 On dirait que je suis un peu en retard. Ouais, t'es en retard. Ça commence à valser par ici. Aucune importance, c'est ce que je fais toujours. Je vois pas que tout le monde était à quai. Je suis complètement de nous, quoi. Vous vous inquiétez pour moi? Quoi? Je déduis ça de ton argent. Réveillez-vous! On y va, venez! Hey Cloud! C'était génial là-bas! Je crois encore mieux que la prochaine fois. Bon, je vais fermer ça quand même. Oh Cloud, ton visage est tout noir. Voilà! Merci de m'avoir aidé, le labo réacteur. Est-ce qu'il y a d'autres objets? Non. En tout cas, j'en vois pas. Dernier train partant de la gare du secteur 8. Le dernier arrêt est le secteur 7, le cimetière des trains. Heure d'arrivée prévue, 00:33. Heure standard de Midgard. C'est pour ça que je déteste le dernier train, propre de moi. Hein? Pas sur ma maison, faites comme chez vous. Arrête de faire l'enfant, assieds-toi et ferme-la. Tu vois les titres du Shinra Time? Les terroristes qui ont fait sauter le réacteur numéro 1 habitent quelque part dans les taudis. Ils ont dû bien prévoir leur coup. Il doit y avoir un vrai cerveau dans leur tête. Je me demande ce qu'ils vont faire maintenant. On dirait que le train n'est pas encore passé en mode sécurité. Je suis sûr que ça va pas durer. Un jour, Avalanche va être célèbre et moi aussi. Je veux bien, mais je vois ça. Oh non, mais là, je vais dormir jusqu'à ce qu'on arrive. Je veux bien, mais. Comment je suis censé m'asseoir? Je veux bien? Il me dit de m'asseoir. D'accord. Ah oui, mais j'essaye! Ah, ok. S'il te plaît, tu déranges les autres passagers, là. Ouais, mais... Ça ne change rien au fait que j'arrive pas à m'asseoir. Ça, c'est le menu. Quoi le truc sur ma tête? Ah non, c'est... C'est quoi le truc sur ma tête? Bon. Je n'arrive pas à m'asseoir, honnêtement. Je fais le X partout, hein. Le A plutôt. Le A partout. Oui, mais j'essaye. J'essaye. J'y arrive pas. Et là, à chaque fois, je veux me faire remballer, c'est ça? Hey Cloud, tu veux regarder ça avec moi? La carte du réseau ferroviaire de Midgard, regarde ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de truc, des bombes et des militaires, tu sais les technologies. Ah ok, c'est parce que je devais parler à lui, ok. Ok, c'est parti. J'ai une maquette complète de la ville de Midgard. L'échelle est environ à 10 millième. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. La structure centrale principale maintient la plaque en l'air et il y a d'autres structures. Porteuses intégrées à chaque section. Chuchotement. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord.
Puis il y a le numéro 3, etc. jusqu'au numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgar. Chaque ville avait un nom, mais personne à Midgar ne s'en souvient. On utilisait des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. Le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle le sous-trace se trouve. La route décrit une spirale autour de la structure porteuse principale. Nous devons arriver maintenant autour de la zone centrale. À chaque point de contrôle, un dispositif détecteur d'identité est mis en place. Il peut vérifier les identités et antécédents de chacun des passagers du train. En se connectant à la banque de données centrale située au QG de Shinra. Tout le monde se doute que nous sommes suspects, alors nous utilisons de fausses identités. Oh, par l'eau. La lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Quand la lumière s'éteint, on ne sait pas quelle créature va apparaître. De toute façon, on est presque revenu au sommet. Quel soulagement! Regarde, on voit la surface maintenant. Cette ville n'a ni jour ni nuit. Il n'y a pas la plaque. S'il n'y avait pas la plaque, nous verrions le ciel. Une ville flottante. Quel spectacle insolite. Hein? Je ne pensais jamais entendre ça de quelqu'un comme toi. Tu es plein de surprises. Le monde supérieur, une ville sur une plaque. C'est à cause de cette de pizza que les gens d'en dessous endurent ces souffrances. Et la ville en du dessous est pleine d'air pollué. En plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Je ne sais pas. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ou peut-être... parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée. Je sais. Personne ne choisit de vivre dans les taudis. C'est comme ce train. Il ne peut aller que là où les rails l'entraînent. C'est quand même déjà des structures qui ont bien vécu, hein, ça se voit. Pourquoi sauter? Sauter. Par contre, je voudrais bien avoir le truc qui dégage en fait. Ouais, oh, on est tous ici. Je peux pas avoir le. Merci. Parce qu'on a cheminé pendant aussi longtemps que moi, on a l'occasion de rencontrer toutes sortes de gens et toutes sortes de vies. Des gens qui se rencontrent, qui se séparent, de la joie, de la tristesse. Au bout d'un moment, ça ne vous touche même plus. Cette mission a été un succès, mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir. Ne soyez pas effrayés par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve sur la planque. Allez hop, dégagez! Mais il y avait des passages là, je sais pas si on peut déjà y aller. Il y a des mobs. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Ah, des petits bazars comme ça. Bon, ok. Attention, attention! Attention, attention! Bon, je vais le dire que deux fois. Ah bon, t'avais des potions sur toi. Ah, à première vue, je peux pas y aller. Ok. Et là, je peux aller. Ouais, là, je peux aller, mais je suis limité. Par contre, je peux monter sur ça.
Mais c'est tout. Enfin, je peux rien faire d'autre. Pour l'instant. De fumée. Et on va en profiter, on va mettre un peu de potions. Ouais, c'est une centaine de points là, par potion, ok. Oui, j'ai pas lu la description, Osef. On passe par la gare. Je sais bien qu'il y avait un passage ici, mais qu'est-ce que ça change? Ouais, on est juste au-dessus des quais. Ok, on est d'accord. Je ne devrais pas sortir ce soir. Wouah! Il n'y a pas l'endroit où nous pourrions aller pour être seuls. Il n'y a que le cimetière de trait à tout près d'ici. Et on prétend qu'il y a aussi des fantômes. Pichtre. Quoi? Ok. Pas plus. Bonjour, cela. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais qui je suis? Je peux pas passer, mon boulot consiste à empêcher des crapules comme toi d'essayer de se faufiler par ici. Ouah, t'es fortiche! C'est bien vrai. Ne pas perdre son temps au bavardage, c'est ce que je dis toujours. Mais je... Ok. Oh, pas sauvegarde. Qu'est-ce que tu fais, toi, pipi? Hé, hey, maintenant! Oups, mais qu'est-ce que tu fais? Ne pèle pas de ça, bon sang! Hein? Tu veux voir, toi aussi? Il y a eu une explosion dessus. Si ce pilier s'écroule, tout le monde sera réduit en poussière dans les taudis. Eh bien, il n'y a pas de raison de se faire de soucis à ce propos. Hé, hey, regarde, c'est gigantesque, non? Enfin, relativement grand, faut bien avouer. Alors, étrange et merveilleux. C'est chez moi, mais tu peux venir comme bon te semble. Allez hop, salut. Hé hey Cloud, viens ici maintenant. Chut, j'ai des choses à faire. Découvrir la carte, sauvegarder. Ah, tu me dis ça parce que c'était pas encore prêt. Eh là 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 là. Je crois qu'on l'entendra encore souvent, le tatat. En tout cas, moi. Ok. J'ai mis Tifa qui s'excuse. Il me semble que c'est Tifa hein, qu'on a vu qui était en train de s'excuser. Entendu? Oh. Non, quoi? Il y a un bulletin d'information qui dit qu'une explosion terroriste a eu lieu là-haut. Et que cette fois-ci, ce n'est pas un réacteur Mako. Tu sais ce que ça signifie? Non, quoi? Tu vois, je suis au-dessus de tout ça. Et si toi et moi, si tu l'emportes sur le pouvoir de Midgar, alors tous ces ordinateurs et tous ces signaux seront réduits à néant aussi. Financièrement, les dégâts ont dû s'élever à au moins 1 milliard de gils. De Gilles, comme vous voulez. Et c'est pas tout, de nombreux innocents ont également péri. Si l'explosion avait eu lieu au milieu de la nuit, les gens au moins seraient partis dans leur sommeil. Des explosions, Ben, vent, mon vieux, Avalanche est vraiment cool! Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe cette nuit? J'ai trouvé ça étrange, cette longue coupure d'électricité. Ils disent qu'un autre réacteur Mako a été détruit plus haut. J'étais là, tranquille, je me venais à un coup en regardant les informations. Et soudain, on me flanque à la porte de la boutique. Qu'est-ce que ça signifie? Ouah, ah purée, je suis parti. J'adore les cocktails faits de maison, mais ils vous prennent par surprise. Ok, passez devant. Je crois qu'il est en train de rencontrer Tifa.
Papa! Marlène, tu ne dis rien à Cloud? Bienvenue à la maison, Cloud. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Pas cette fois. Tu as grandi. Lorsque tu étais petit, tu te battais pour un oui ou pour un non. Ah non, clairement, je garde ton nom. T'inquiète pas. Je garde ton nom. Enfin, ton prénom. Je suis content que vous soyez tous sains et saufs. Désolé, Claude. Marlène a l'air un peu intimidée. Oh, Cloud. Il fassait vraiment bien cuisiner. En tout cas, je vais te raconter quelque chose. Donc à propos, Ifa me fait toujours goûter ce qu'elle prépare. Et regarde à quoi je ressemble maintenant. Je suis grassouillé. Je ne sais pas si je dois être heureux ou triste, mais c'est la qualité de la nourriture et de la boisson qui fait la renommée de cette boutique. Elle vaut le premier verre après la fin d'une mission. Pourquoi tu n'en prenais pas, toi aussi? Pourquoi pas? Oh, voyez-vous ça? Même si tu as été membre du soldat, tu es encore un boleux ici. Alors tu ferais bien d'écouter tout ce que je dis. Eh hey, ouais, tu te calmes! Un peu de calme! Non, non, pas ça. C'est tombé. Ok. Bon, après, je vais pas partir. Papa, bienvenue à la maison! Bien, Barrett. Super. Venez ici, espèce idiot. On commence la réunion. Oh, classe. Mais vu l'heure, enfin vu le temps de l'épisode, on va aller sauvegarder. À partir du prochain épisode, j'essaierai de commencer à faire un peu plus les skips. Comme d'habitude, hein, si vous suivez la chaîne. Afin de ne pas avoir tout ce qui est inutile, hein, les combats aléatoires, etc. Le combat de boss, bien entendu, vous le garderez, hein, comme d'hab, si vous suivez la chaîne. En tout cas, j'espère que cet épisode et ce début de Let's Play vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. J'apprécie bien le jeu, les combats sont un peu lents, je pourrais peut-être changer les options, dire que les combats soient plus rapides, à vérifier. Pour voir si c'est pas trop détrimental sur le finish. Mais au pire, je pourrais redescendre. Donc à voir, peut-être que oui. En tout cas, en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Bye.